C'est tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur Sly Cooper Voleur à travers le temps. Laisse-moi finir de parler. Voilà, petit pétage de plomb dès le début. On va juste récupérer la bouteille. Qui n'est pas là? Non, t'es pas par là, Sly, reviens. On se retrouve pour une vidéo de Sly Cooper Voleur à travers le temps. Donc la dernière fois, on avait fait je sais plus quoi, je vous avais dit qu'on fera la mission pour après pouvoir aller chercher les bouteilles. Donc on finit cette mission et on chope toutes les bouteilles. Enfin, j'aimerais bien choper celle-là quand même. D'accord, elle est là. Et ces trucs de merde vont passer. Enfin bref, on finit la mission, on verra plus tard. Alors, tu me dis qu'il y a un truc ici. Oh, dégage-toi, fous-moi la poubelle. Une bouteille. Voilà, tu me vois plus. Aïe. Oui, j'ai compris. Fous-moi la paix! Il me voit encore là! Non, mais il est sérieux! Merci! Oh là, c'était n'importe quoi là! Alors, prends une photo de ça. Empreinte, je sais pas quoi. Empreinte thermique, voilà. Cet endroit paraît très paisible. Je parie que Sally vient ici pour méditer. Ouh, ça passe! À toi, t'as des trucs qui m'intéressent. J'espère pas avoir le 500 là, ce serait cool. C'est combien ça? 100. Boucle d'oreille en perles. Donc, on n'a pas. Moi, j'ai ça, je le vends plus que 100 pièces. Hein. Même si une pièce, ça vaut 1000 $. 1000 euros. Attendez, hop. Je récupère la bouteille pour la mission, hein, parce que je suis un ouf. Hop. Ouais, par contre, l'autre, ça va être un petit peu plus compliqué. J'en étais sûr, c'est pas grave. Hop. Hop. Non, pas du tout. Enfin, si, parce qu'elle est pas là. Je ne sais pas où elle est. En plus, elle nous narre puisqu'on l'entend et tout. Est-ce qu'elle est? Elle est là-haut. Oui, mais comment je monte maintenant? Ce jeu, cette époque, c'est du gros troll. Oui, par contre, tu montes quand même là. Quoi? Mais tu déconnes! Tu peux grimper tout ce que tu veux, mais une fontaine, tu peux pas. Genre, la fontaine, elle dit non, tu montes pas! Si une fontaine te dit ça, c'est pas normal, mais. Tu déconnes! Mais c'est n'importe quoi! Je proteste! Non, mais c'est quoi ce jeu? C'est n'importe quoi! Ça se contredit tout le temps là! Toi t'as rien, je me casse. Bon, d'accord, je pète les plombs un petit peu, un tout petit peu, hein, pas énormément. Ouais, mais comment on fait? Ah, d'accord. Hop, voilà. Je suis pas assez haut là, je vais mettre le truc. Mais comment on monte? J'en ai marre! J'en ai marre. Je déteste cet endroit. Pourtant, quand j'y jouais, j'aimais bien. Mais parce que je cherchais pas les bouteilles, vous voyez. Là, je les cherche et j'y arrive pas. Mais comment tu veux mon... D'accord. Non, mais fous-moi la paix. Toi. Fous-moi la paix. Ah oui, ça, j'avais oublié par contre. Du coup, il me fallait le déguisement pour tout avoir. Oui, bon, tant pis, on va peut-être pas récupérer toutes les bouteilles pour cet épisode-là, tout simplement parce qu'il me faut le déguisement pour pouvoir grimper sur des trucs. Enfin, c'est très brogélique. Fous-moi la paix! Salut! Voilà, j'ai totalement pété le plomb. Wood Stevenson est maintenant en ligne, salut! Attendez, ouais, c'est là-bas.
Mais n'importe quoi, genre tu peux pas. Dégage! Pourquoi tu peux pas prendre de photos de là? C'est n'importe quoi, il y a l'ADN qui dépasse. Oui, il y a un trésor. Il y a la lampe d'Agrabah. Enfin, de Aladdin. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? D'accord, c'est en dessous. Bouteille. Oui, je sais qu'il y a un truc pas loin. Il déconne. Oh là là, la mission la plus chiante du monde. Épouse-toi, le singe. Voilà. Faut qu'il cule. Je sais pas quoi. Oh là là, c'est n'importe quoi. Cette mission, c'est du n'importe quoi. Pas comment. Voilà, on rentre, je pense. Ça m'arrange pas de rentrer là tout de suite. Une bouteille, donne-moi la bouteille. Voilà comment faut faire pour bien jouer. Je donne des conseils, alors je joue hyper mal quand même. Hop, une bouteille en plus, ça fait 7. Oh, je suis trop deg qu'on n'aura pas toutes les bouteilles cet épisode-là, ça c'est nul! Mais quoi? Mais n'importe quoi! Tout à l'heure, il y a trois trucs! Il me semble. Tiens, récupère la petite bouteille. Voilà. Tu me descends. Non, non, mais genre, il m'a vu. Prends la photo, prends la photo, prends la photo. Prends la photo. Oui. Fibre de tissu. Je me casse. Cool, je m'en fous. Mais tu déconnes. J'ai pas mon émission. Je m'en souvenais même plus. Ok, je comprends pas l'utilité. Fous-moi la paix. Vous ne me voyez pas, vous ne me voyez pas. On voit rien non plus, mais c'est pas grave, ça, on s'en fout. Ok. Mais dégage, toi, le serpent. Là. Ok. Une bouteille. Oh, tapis volant! Oh, énorme! Je vais monter dessus. Plus tard, mais je veux monter dessus. Il y a une bouteille aussi. D'accord, elle est juste là. Hop, voilà. Non, non plus, faut. Non, c'est pas ici. Non, c'est là-bas. Enfin, si, on va pouvoir glitcher, je pense, mais moi, j'y arrive pas. Il faut en gros faut monter là-haut pour utiliser le paraglisseur, sauf que si on va là, il y a des putains de serpents de merde qui vont nous foncer dessus, voilà comme ça. Et donc on peut pas récupérer le masque. Je pense que j'ai été assez clair. Tu m'as pas vu? Ça va, on récupère quelques bouteilles, on est déjà à 11. C'est cool. Allez, vas-y, balance la mission. Voilà notre ancêtre, 70% de masque, c'est super. On a plus de masque que de trésor quand même, je pensais pas qu'on en serait à ce point-là. Je vous avouerai que moi je pensais qu'on aurait d'abord plus de trésors. C'est cool alors, parce que les trésors ils sont pas compliqués à se trouver. Quand tu incarnes le machin, je peux le t'en dire, c'est pas grave. De retour au refuge, tandis que Sabine soit les présentations furent expédiées. Et il nous parla de son problème. Une nouvelle figure locale, appelée Miss Décibel, avait fait son apparition et commencé à arroser la ville d'argent. Pas besoin d'être un génie pour deviner qui était cette fois le lieutenant voyageur du temps. Salim et les trois voleurs restants avaient alors décidé de faire un dernier coup avant de prendre leur retraite. Miss Décibel en était la cible. Évidemment, grâce à sa technologie, elle n'avait eu aucun mal à capturer ses camarades. Et Salim tentait aussi d'élaborer un plan pour les libérer.
Clay découvrit certaines informations très intéressantes. Miss Decibel venait d'une riche famille anglaise. Sa passion était la musique classique. Malheureusement, son absence totale de talent, associée à un tempérament colérique, ne lui avait pas vraiment rendu service. Victime d'un accident pendant un accès de rage, elle ne pouvait plus jouer d'un instrument normalement. Toutefois, elle avait découvert qu'elle pouvait contrôler les gens grâce à ses airs hypnotiques. Une nouvelle crinière était née. Elle utilisa son pouvoir pour manipuler les gens, les forçant à commettre des crimes pour elle. Nous partageâmes des informations sur le paradoxe avec Saline, et étrangement, tout coïncidait. En revanche, il n'était toujours pas convaincu que nous étions là pour l'aider. À l'évidence, j'allais devoir faire des preuves. Mais oui. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Le vol le machin sur manège, je crois. Je sais pas. Alors, on voit l'appui sur carré à portée d'une cible pour l'attaquer. Ça, c'est hyper cool, vous verrez. Si je pense à vous montrer. Point étourdissant. Les coups de poing étourdissent les ennemis. Maintien, j'arrive pas à lire. L2, je crois. Pour accéder au menu des gadgets étant équipé. Mais on s'en fout. Chargeur en jauge. Recharge d'allumant, la jauge de gadget en un clin d'œil. Donc ça va être hyper cool aussi. Par contre, on commence à être à court dessus. C'est pas grave, allez. Balance slide. Je trouvais plus surprenant. Oui, c'est grave. Le nom complet de Carmelita est Carmelita Montoya Fox. Ok. Bah, nom exact de Sly, c'est Sly Cooper. Voilà. Et le nom exact de Bentley, c'est Bentley l'hippopotame. J'en sais rien en fait. Merci. Alors qu'est-ce que tu me proposes? D'accord, on n'est pas avec Murray, je suis con. C'est pas grave. On continue. Alors on va chercher quelques bouteilles et après on va essayer de faire la mission histoire d'avoir le... Voilà. Je sais même plus c'est quoi la mission, mais je crois savoir. Enfin, il me semble que c'est ce que je pense. Ok, le... Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais bon, à quoi ça sert? Moi, je rentre pas dans une boutique si je vois... Je rentre pas dans une boutique si je vois un chameau qui bouge comme ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est peut-être pas une boutique, ça sert peut-être à éloigner les gens, mais bon, je verrais pas l'intérêt. Bon, bref. Alors, il reste quelques bouteilles ici. On va aller vers là. Enfin, je crois. Oui, c'est par là. Dégage. Il y a tellement de violence dans ce que dans ma voix là. Dégage. Toi aussi. Voilà. On va passer par en dessous comme des gens civilisés. Ouais, sauf qu'il n'y avait pas une bouteille là. Si, il y avait une bouteille. Ouais, c'est bien ce que je me disais, je me disais bien. Toi tu m'as pas vu, voilà, tu m'as pas vu, qu'est-ce que je disais? Hop. Ouais, bah vas-y par au-dessus. Génial mon idée. On va passer sur le côté, voilà. C'est bien. Te retourne pas, te retourne pas. Merci. Sinon je te tue. Tu t'es pas retourné, je t'ai tué quand même. Tu n'as aucune parole, voilà. Ouais, toi aussi, ne te retourne pas sinon je te tue. Mais je n'ai aucune parole. D'accord, je vais faire cette blague jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir. Je vais dire, elle est où la bouteille? Attends, elle va quand même le nier. Voilà. Hop. Voilà. Donc on a déjà la moitié des bouteilles. Donc on est à 80%. C'est cool. Cette bouteille, bon, pas trop compliquée. Et là, je me fail. Non, c'est cool. Alors, tu me dis où il y en a d'autres? Ah ouais, putain, j'en ai raté devant. Attendez, je récupère juste celle qui est là-bas, je crois. Je crois qu'il y en a une là-bas. Oui, il y en a une.
je récupère. C'est les deux qui sont devant nous et je retourne en arrière pour récupérer les quatre autres. Enfin, si je peux. Ah oui, il faut que je monte le. Oh putain, tu calmes, pardon. Le gros mot. Faut que je. Hein, trésor. Faut que je vous montre. On récupère plus tard, trésor. On n'a pas que ça à faire. Ah oui, mais c'est le trésor impossible à avoir. Là, pardon, la bouteille. Ah non. Bah si. Attendez. Je pense qu'il y a possibilité de l'avoir. Puis je pense. Oui, il y a possibilité de l'avoir. Dépêche-toi. Ta gueule. Violence. Non, je vais monter sous son oreille. Tu n'as pas compris l'utilité, mais c'est pas grave. Alors, comment on monte? Non, on peut pas. Voilà. Il y a eu 15 000 fois la même bouteille. Elle était tout le temps au même endroit. Enfin, même endroit. Le même style de position. J'ai raté une bouteille. Bon, je vous dis des trucs, mais je le fais pas, donc... voilà, ne m'écoutez plus. Parce que je dis que de la merde. Ouais, par contre, là, c'est un peu trop, non? Là, par contre, c'est un peu compliqué d'atteindre ce... Lol. Voilà, il nous fait les trolls le jeu. Tu déconnes! Il nous fait les trolls, en fait. Il nous faut le déguisement pour pouvoir tout récupérer. Donc, voilà. Celle-là, je l'avais eue. Je m'en souviens. Hop. Allez, on se dépêche. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste plus... Pardon. Ah, toi, tu m'intéresses. Il nous reste plus énormément de bouteilles. Hop. Tu déconnes. Dégage. Ça vaut 200, je crois. Ouais. Que de scorpions. Oh, fous-moi la paix. Faut que je vous montre ça. Est-ce que ça marche là-dessus? Non, ça marche pas. Tant pis. Y a-t-il un ennemi pas loin? Oui, là à gauche. J'espère que c'est pas un singe. C'est un singe. En fait, je l'ai même pas vu. Ah, la meuf là-haut là. Ah non, elle est très bien aussi. Et ça a pas marché aussi là. On a eu la flèche, mais quand j'ai appuyé sur carré, ça a pas marché. Voilà. Boum. C'est juste énorme ce truc. Dégage. Voilà, merci. Merci de votre compréhension. Hey, j'appuie sur rond là. Le jeu il a fait non, tu ne restes pas dessus. Ouais, par contre, je vais pas à l'endroit où je disais. Hop, de toute façon, depuis le début, je vais pas à l'endroit où je disais. Allez, bim, ça va être pratique ça par contre. Oui, mais comment on monte ça? C'est trop haut. Sauf que c'est pas là déjà. Mais il y a trop d'ennemis! Voilà. Vous ne me voyez plus. Il y a une bouteille là. Pouch. Ah mais c'était par là. Ah oui d'accord. Il y a les pistoles. Comment je monte là-dessus? D'accord, je crois que j'ai compris le truc. Faut faire ça. Ça. D'accord, fait. Faut faire. Ça. Ça. Voilà. Dès que t'as fait ça, tu fais ça, tu te dépêches de monter. C'était complètement inutile. Ah oui, j'avais oublié qu'on pouvait taper comme ça. Oui! Alors là, c'est le GG! Oh, je suis trop content. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça en fait. Ah bah peut-être qu'on peut aller. Alors, non, je pense pas, ça serait trop simple. Bon, je pense qu'on a récupéré la plupart des bouteilles, je dirais. Je suppose. De toute façon, je vous fais une ellipse. Je fais la mission là, je vous fais une ellipse le temps d'aller chercher toutes les bouteilles et on se retrouve devant le coffre. Voilà, on fait ça. Je fais la mission et je vous fais une ellipse. Sally a visiblement perdu une petite fortune aux courses de chameaux il y a quelques temps. Ce qui l'a forcé à mettre son costume de voleur au clou. Sly, si nous pouvons racheter ce costume pour Sally, je suis certain que nous gagnerons sa confiance. Le marchand est obsédé par la sécurité. C'est un maniaque. Son magasin est une véritable forteresse et il n'en sort jamais. Tout son commerce se fait à travers un trou dans la porte. Je crois que cette fois, il
il va falloir la jouer réglo et lui payer ce qu'il demande. Comme tu peux te l'imaginer, son prix est exorbitant. Le marchand n'acceptera le paiement que sous forme de pierres précieuses parfaites. Trois, pour être exact. Les seules pierres de cette qualité que nous pourrons trouver ici sont celles qui décorent les murs de la ville. J'ai repéré trois beaux spécimens pour toi. Tout ce que tu as à faire est de les extraire et de les apporter au magasin tout en évitant les gardes. Assure-toi simplement que les pierres sont toujours parfaites lorsque tu arriveras sur place. T'inquiète, je dois dormir. Ça, cette mission, elle est pas trop longue, il me semble. Si on se dépêche, il y a moyen de la faire assez rapidement. Et pas très passionnante non plus, hein. Mais c'est une mission comme les autres. Hein. De toute façon, c'est toujours le même style de mission. C'est très répétitif, je trouve, mais moi, ça ne me gêne pas, la répétition. Ouais. C'est ouf. Parce que j'aimerais y aller directement, histoire de... Voilà. C'est l'air d'être là, comme c'est là. Hop, interdit. Voilà, c'est what the fuck. C'est très what the fuck comment on les récupère, mais plus je... Qui est what the fuck. Je vais récupérer celle qui se trouve en face de moi, en essayant de ne pas se faire taper, puisqu'il faut qu'elle soit toujours parfaite. Je sais pas si ça change quelque chose en vrai, mais je préfère pas prendre le risque. Parce que quand je l'ai fait, je me suis pas pris de coup. Je me suis pris un coup et c'était parfait, ou alors je tombais dans la flotte ou je sais plus quoi. Je sais pas. Donc là j'ai une petite question, c'est comment je monte. Ah, le tapis volant. Tant pis. On est vraiment à, dans la c'est, on est à Grabat. On l'a vu tout à l'heure celle-là. 9 minutes 7. Je sais que j'en sais rien du tout en fait quand on l'a eu, mais je sais qu'on l'a eu. Allez, balance. Merci. C'est what the fuck. Pierre précieuse. Non, pierre parfaite. Je veux juste tester un truc. Si je fais ça. Et ça, on paraît que ça marche pas. Voilà, je vous l'avais dit, ça marchera pas. On va peut-être pas sauter. Si, allez, on saute. Parce qu'on est des ouf. Je n'avais pas les mots. J'aurais pas dû dire ça, ça m'a fait penser une musique. Alors, il y en a une là-bas, je m'en souviens même pas. Il me semblait qu'elle était pas à cet endroit. Ouais, j'ai l'intuition. Non, mais j'ai fait. En gros, je suis descendu pour remonter. En gros, ça a été plus rapide si je montais, etc. Tu sais, tu peux pas monter là-dessus. Ça aurait été plus facile. Bon, allez, hop, voilà. Ça, c'est fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on se téléporte en vendeur? Ça serait cool. Eh ben non! Mais maintenant, assure-toi d'amener tes pierres précieuses au magasin en un seul morceau! T'inquiète, je gère. Oh! Attendez. Une bouteille. D'accord, what the fuck. Je comprends pas comment on peut l'avoir. Si c'est bon, je sais comment on l'a. C'est par là. Peut-être aller dans le bon sens. Au revoir le change. Le change. Bonjour le change. Bonjour. Pourquoi je viens acheter le costume de voleur. Désolé, mais ça m'étonnerait fort que quelqu'un comme vous puisse se l'offrir. Au revoir. Oh, quel dommage. Je vais devoir réviser ces pierres précieuses aux courses de chameau à la place. Attendez, des pierres précieuses? Voilà, ça c'est cool.
c'est magnifique parce que regardez, boum! Voilà, on ralentit le temps et en plus on peut faire ça. Voilà, ce costume est juste énorme. Allez, on repart. Donc c'est-à-dire que là on fait ça, hop, et voilà, on peut monter. Tranquillement. Sans prise de tête. Cool, je m'en fous en fait. Allez! Allez! Oh là là, c'est magnifique! C'est magnifique! Ah, t'es sûr? Je fais le con. Tiens, remets le temps bien. What? Fous-moi la paix, toi. Tiens, enfin, un petit temps, bim, hop. Voilà. C'est vraiment génial ce costume. Dépêche-toi de monter quand même. Pourquoi c'est secoué comme ça là? C'est n'importe quoi. Oh merde, c'est juste pour un masque. Bon, c'est pas grave. Moi, je voulais la bouteille. Tiens, il y a quoi ici? D'accord, costume. Non, ne va pas jusque là-bas, s'il te plaît. On va remonter là-haut pour choper le masque et après, bah voilà. Après, on ira chercher les dernières bouteilles. Oh là là, ce costume est juste énorme. C'est mon costume préféré. Puisque ralentir le temps, c'est énorme. On met le temps bien. Hop. Mais par contre, si je saute là-bas, ça marche pas. Tu peux m'afficher la carte, s'il te plaît? Non, c'est pas ça. Si. Non, mais je voudrais la carte. Ah oui, mais je suis con. Oui, je suis un peu con. Hein. Je veux la carte, mais j'essaye pas de l'afficher, en fait. Ok, il y a un truc là-bas. Mais si, normalement, on a les mini-cartes. Ah, peut-être que je mette le costume. Voilà, le jeu a décidé de me troller. Parce que c'est pas la fin de l'émission et tout, il veut plus m'afficher la carte. Du coup, je vais devoir me démerder tout seul. Voilà, c'est juste là. Parce que j'ai pas la carte, du coup, je dois. Ah non, mais si, c'est bon. C'est là-bas, je crois. Ça m'arrangerait que ce soit là. Ok, what the fuck? Et comment on monte? J'en ai marre. D'accord, j'ai compris. Si je ralentis le temps, ça ralentit le temps de la vidéo aussi ou pas? Non, parce que là on est à... J'arrive pas à voir, je crois qu'on est à 29 minutes ou 28. Allez, dépêche-toi. Pas, c'est pas, c'est normal que ça se casse comme ça. Te prends pas la tête. Hop, boum, 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 boum. Voilà, voilà, 25 sur 30, on est hyper fort. Ensuite, tu me proposes quoi d'autre? On a fait toute cette partie-là, il nous manque les 4. Non, il y a une petite coquine qui s'est cachée. Qui est par ici, normalement, je dirais. Hey, salut. Ouais, je l'ai un peu dépassé. Je l'ai encore un peu dépassé. Peut-être parce que c'est par là, en fait. Et qu'en fait, que je l'ai pas dépassé du tout. Non, je l'ai pas dépassé du tout. On met le temps bien. Ah, mes gros trolls! Cool ta vie. Hop. Je vais peut-être faire une ellipse. Non, bah allez, épisode de 40 minutes, voilà. Boum, j'ai décidé comme ça, c'est comme ça. Je me. What? Tu déconnes! J'ai ralenti le temps et tout. Tu redescends. Merci. Allez, on va prendre un peu d'avance. Monte, t'arrête pas. Et pourquoi il va plus vite qu'avant là? C'est n'importe quoi! Non mais n'importe quoi! Alors, par là, voilà. Quoi? Oh, j'ai peur. J'ai eu trop peur. C'est n'importe quoi. Oh, c'était
c'est magnifique. Alors, Yahoo. On est un peu loin d'écouter là pour dire Yahoo. Enfin, non, pas Yahoo. Où elle est en fait. Pas... J'ai dit Yahoo, mais je voulais dire où elle est en fait. Voilà. Je parle pas français. C'est pas grave. C'est pas très important pour une vidéo en français. Tais-toi. Merci. Alors, où est-ce que c'est? Encore en face. C'est chiant qu'ils ont enlevé la mini-carte. T'as entendu? Il y a un masque là. Oh, oh, c'est esquive. À droite, remonte. Hop, voilà. Tu vas mettre ton déguisement, tu vas faire ça. Non, pas passer, pas passer. Ça, ça marche pas. Ça, hop. Ok, tu peux pas faire des sauts comme ça dans le monde d'avant. Non, non. Ça, rien à foutre. Il en manque une là. Non, c'est bon. C'est où? Ah, là-bas. Voilà. Et la petite dernière qui se trouve derrière moi. Je ne la vois pas d'ici. Oh, mais fous-moi la paix! Foutez-moi la paix! C'est où? Je ne l'ai pas vu. Je suis dessus quasiment là. Je suis derrière moi. Attends, toi aussi, fous-moi la paix. What? Tiens, monte, s'il te plaît. Voilà, hop. Et je l'entends. Allez là. Voilà! Tu as collecté les 30 bouteilles et débloqué le coffre. Je suis pas censé avoir eu un trophée là. Disparition, boum. Qu'est-ce que c'est? Allez, oui, on va découvrir ce que c'est. Et je pourrais faire mon petit sadique et regarder après, mais en fait, je fais exprès de rester aussi longtemps avec vous pour voir ce que c'est, donc je vais pas vous troller. Allez. Oui. Voilà, je me trompais de joystick. La manette, j'ai failli la faire tomber, mais on s'en fout. Allez, 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 allez. Je veux savoir ce que c'est, pourquoi je pars tout le temps dans le mauvais sens. Je m'en fous, allez, vas-y, dis-moi ce que c'est. Morceau de bâton du coup. Oh, petite coupure. Ok, on va rentrer à la maison. C'est pas grave, je recommencerai la mission, c'est pas si horrible que ça. J'ai fait ça parce qu'il y avait un serpent. Je veux savoir à quoi ça sert aussi. Voilà, 100% de corps, 100% de bouteille, c'est magnifique. Je suis content. Je suis très très content. On va s'arrêter là, au passage, on a 63% de masse, 53% de trésors et 42% de trophées. On avance très très bien, je trouve. Malgré qu'on soit à la fin du jeu, les trésors, ça va monter plus vite. Parce que là, prochain épisode, ça, on fera pas de mission, on fera le spécial, les épisodes bonus. Parce que j'ai envie, voilà, je suis en... Alors, à quoi ça sert? Ouais, par contre, c'était quoi déjà le truc? C'était ça? Non, ça c'était. Je crois que c'était ça. Chapeau grenouille de. Non, c'est pas ça. C'est ça, je crois. Non, mais non. Je suis con. Ah, c'est ça. Alors, morceau du bâton du courroux. Alors, le bâton du courroux semble cassé, mais ceci est une. Est la pièce la plus importante puisqu'elle renferme encore la puissance pierre de lune. Peut-être pourrais-tu un jour l'aider à réparer, mais pour l'instant, tous les dégâts infligés au joueur qui seraient tous les dégâts. Pardon. Mais pour l'instant, tous les dégâts infligés au joueur sont réduits de 50%. Mais pour l'instant, tous les dégâts infligés au joueur sont réduits de 50%. Ok, donc. C'est cool! C'est pas ce que j'aurais imaginé. C'est cool. Bon, d'accord, je m'en foutais un peu, mais. Parce que le jeu, il est pas trop compliqué. Mais en gros, maintenant, c'est comme si on avait le double de notre vie, du coup, c'est assez cool, je trouve. Voilà, donc. Pour le prochain épisode, on se retrouvera pour écrire tous les trésors de tous les mondes. Normalement. Donc, on retournera au. Au monde 1, à Sudal. Voilà.
Voilà, boum, on y va tout de suite même. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On a réussi à récupérer 100% des bouteilles, 100% des coffres. Je suis très content. Enfin, on les a eu, c'est foutu bouteille. Bon, je vous avouerai que le dernier truc m'a un peu déçu. Je m'attendais à un truc de style où ça monte les trésors, où cela peut maintenant se téléporter. Bon, quand c'est très exagéré, se téléporter, mais genre un truc de ouf, mais non, bah non. Dommage. Bon, c'est pas grave, c'est quand même cool, on a le double de notre vie. Je sais pas si vous vous rendez un peu compte. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire pour me dire que c'est cool, voilà. On se retrouve avec Bidule là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, je vais l'appeler Bidule. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc on se retrouve dans... Ne vous inquiétez pas, je vais juste activer la carte pour récupérer le trophée. On se retrouve quand je serai motivé à vous faire une vidéo, parce que là j'étais motivé, mais bon, je suis là. Là, je suis au dodo parce que je suis très fatigué. Donc, j'en ferai pas mercredi parce que. Peut-être mercredi matin, si vous avez de la chance, parce que mercredi matin, il y a personne à la maison. Mais j'en ferai pas l'après-midi et jeudi, vendredi, samedi, je sais pas. Samedi, je pense que j'en ferai. Non, samedi, je vous en fais pas simplement parce qu'il y a des gens chez moi. Et que je serai hyper fatigué parce que le samedi, il faut bosser comme des tarés à la boulangerie parce que c'est le samedi. Il y a plein de trucs qui viennent. Du coup, ça va être très bordélique. Du coup, je préfère ne pas vous faire de vidéo samedi parce que je serai très fatigué, parce que je serai très épuisé. Vendredi, on verra. Jeudi, on verra. Jeudi, éventuellement. Vendredi, pareil. Et samedi, c'est sûr. Dimanche, c'est sûr. Voilà, je crois que c'est tout. Ryoichi Cooper est un maître ninja et un maître sushi. En fait, il était même l'inventeur des sushis. Je m'en bats les couilles. Alors. C'est me dire que j'ai un trophée là. Bon, on se retrouve dans ce monde dans je sais pas combien de temps. Allez, salut.